السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، نتمنى أنكم تكونوا في أفضل الأحوال وأحسن الظروف. إن شاء الله هتكونوا دائما بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غادي نكون مع درس آخر من دروس السنة الأولى إعدادي مسار دولي، درس تحت عنوان نوسيون دو ريزيستونس إلكتريك، مفهوم المقاومة الكهربائية. بون، جو فو بريزونت لا ريزيستونس إلكتريك. اي تو دابور on va voir qu'est-ce qu'un conducteur ohmique et quel est son rôle dans un circuit électrique. Puis finalement, on va finir par quelle est l'influence de cette résistance ou bien de ce conducteur ohmique dans un circuit électrique. C'est bien. Donc tout d'abord, c'est quoi un conducteur ohmique? Comme vous voyez, l'image séquentre. On a une maquette électronique. Il contient plusieurs éléments électriques. Parmi les éléments qui existent dans cette maquette-là, on a ces éléments qui ont en couleur bleue et en couleur jaune ou bien jaune ou bien orange. Ces éléments-là. Oui. Ces éléments-là, les bleus et les oranges, ils sont appelés le conducteur ohmique. C'est quoi un conducteur ohmique? C'est un dipôle. Le conducteur ohmique est un dipôle qu'on trouve dans beaucoup d'appareils électriques et électroniques. Parmi ces appareils, par exemple, l'ordinateur, le multimètre, la machine à laver, votre smartphone aussi, le console de jeu, etc., etc., etc. C'est bien. Donc le conducteur ohmique, il existe dans toutes les machines ou bien tous les instruments qui fonctionnent avec l'électricité. Donc, alors, quel est son rôle dans un circuit électrique? C'est ça l'essentiel pour nous. C'est de déterminer le rôle de conducteur ohmique dans un circuit électrique. C'est bien. Pour connaître le rôle du conducteur ohmique dans un circuit électrique, on va commencer par c'est quoi la résistance électrique. Pour entamer la notion de la résistance électrique, on va commencer par une expérience. Premièrement, on prend un générateur de tension ou bien de courant continu, branché en série avec un ampèremètre et une lampe. Comme vous savez bien que l'ampèremètre est un instrument de mesure, sert à déterminer ou bien mesurer l'intensité de courant qui passe dans le circuit. Dans ce cas-là, ce ampèremètre il affiche une valeur. Lorsqu'il est branché en série avec le générateur et la lampe, il affiche une valeur de 60 milliampères. 60 milliampères. Dans deuxième expérience, on garde les mêmes composantes électriques. Hafdna binafs al-anasir al-karabaiya, mawlid, l'ampèremètre ou le misbah. Mais on intègre dans ce circuit un conducteur ohmique. Qu'est-ce qu'il passe? On constate que l'ampèremètre il affiche une autre valeur de l'intensité de courant. Il affiche 20 milliampères. En observant quoi? Premièrement, on observe que la lampe brille moins fort lorsqu'il est branché avec le conducteur ohmique. C'est une très bonne observation. Vous voyez que la première lampe, elle brille d'une façon forte, mais la deuxième lampe, elle brille d'une façon faible. Ça veut dire l'éclairage de la lampe est diminué lorsqu'on a introduit le conducteur ohmique dans le circuit. Manahada, anna l'ida'a de l'misbah n'khafadat indama adafna al-mousil al-ohmi, le conducteur ohmique, fi ad-dara. La deuxième observation. L'ajout du conducteur ohmique est inséré dans le circuit électrique diminue l'intensité de courant. Oui, c'est clair que lorsque le circuit ne contient pas le conducteur ohmique, la valeur de l'intensité de courant c'est 60 milliampères, mais lorsqu'on ajoute le conducteur ohmique, la valeur de l'intensité diminue jusqu'à 20 milliampères. Ça veut dire شدة التيار تنخفض أيضا عندما نضيف الموصل الأومي في الدارة على التوالي. جيد. Bon, comme conclusion, on va conclure c'est quoi le conducteur ohmique. Un conducteur ohmique est un dipôle non polarisé. C'est quoi non polarisé? Par exemple, je vous donne un exemple. Le générateur. Le générateur, comme vous savez, il a deux bornes, deux pôles, pôle positif et pôle négatif.
Ce générateur est un dipôle polarisé. Polarisé, parce qu'il y a des pôles. Un dos aqtab. La lampe aussi, il a des bornes. Elle a le plot et le culot. Aussi, la diode normale, elle a des bornes positives et le sens négatif. Aussi, le conducteur ohmique, il a deux bornes, mais ces bornes sont identiques. Très bien, sont identiques. Aqtabuhu متشابهة لا فرق بينهما. هيشتغل بنفس الكيفية إذا قلبت التركيبة ديالو. C'est ça, non polarisé. Donc, le conducteur ohmique aussi, le conducteur ohmique, est caractérisé par une grandeur physique appelée résistance, al-muqawima. Cette grandeur se notait R. Et son unité internationale est l'ohm, de symbole oméga. Se mesure avec le multimètre réglé en ohmmètre. Ça veut dire se mesure avec l'ohm. Mètre. C'est bien. Le symbole normalisé du conducteur ohmique est un triangle, est un rectangle plutôt, inclut une lettre R à l'intérieur et il a deux bornes. C'est bien. Ce que je retiens de cette expérience et de cette conclusion, que le conducteur ohmique, lorsque le courant passe dans le circuit, il empêche le courant électrique et diminue sa valeur. I est égal à 60. Après l'ajout du conducteur ohmique, il devient 20 mA. Ça veut dire le conducteur ohmique empêche le courant électrique. Qu'est-ce que ça veut dire empêche le courant électrique? Ça veut dire diminue sa valeur. Empêcher. عرقلة التيار الكهربائي ou عرقلة التيار الكهربائي. La deuxième des choses, le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. يقاوم مرور التيار الكهربائي. Le conducteur ohmique, le موصل ohmique, يعمل على مقاومة التيار الكهربائي في دارة كهربائية. Quoi encore? Voyez bien l'image séquentre. On a trois personnes. Ce personne représente l'intensité de courant. Ce personne représente la tension électrique. Et ce personne-là représente la résistance. Vous savez que le passage du courant électrique dû à la différence de potentiel, ça veut dire dû à la tension électrique. S'il y a une tension, s'il y a une tension plutôt, il y a courant. S'il y a tension, il y a courant. Parce que la tension qui donne le courant, c'est bien. Mais l'existence d'un conducteur ohmique, ça veut dire l'existence d'une résistance. Ce personne représente la résistance. Il empêche le courant électrique. Il empêche le courant électrique. Il interdit d'une façon élémentaire le passage du courant électrique. لا يسمح بمرور التيار الكهربائي بشكل كلي, يسمح بمرور التيار الكهربائي بشكل جزئي. C'est bien. Donc on dit que le conducteur ohmique résiste le passage du courant électrique. Quoi encore? Le conducteur ohmique, lors du passage du courant, il transforme toute l'énergie électrique qu'il reçoit en énergie thermique. Je répète, le conducteur ohmique, lorsque le courant passe dans le conducteur ohmique, il reçoit une énergie électrique. Cette énergie électrique va le transformer d'une façon totale ou bien quasi totale en chaleur. On dit que le conducteur ohmique réagit avec l'effet Joule. L'effet Joule, c'est l'effet de transformer l'énergie électrique en énergie thermique. C'est bien. Une remarque. Je remarque une remarque. Il existe des multiples et des sous-multiples de l'homme, de l'unité de l'homme. Parmi ces multiples et sous-multiples, on le regroupait dans un tableau. Le milli-ohm, le ohm, le kilo-ohm, le méga-ohm, le giga-ohm et le tera-tera-ohm. Une application, par exemple, si on a un kilo-ohm, combien en ohm? Un méga-ohm, combien en ohm? Un milli-ohm, combien en ohm? La réponse. Donc, on utilise le tableau, ces contre-précédentes. Par exemple, on a un kilo-ohm, combien en ohm? Je pose 1 sur kilo-ohm et j'ajoute des zéros jusqu'à l'ohm.
C'est 1000 ohms. Pour le 1 mégaohm, je pose 1 sur mégaohm et j'ajoute des zéros jusqu'à l'ohm. C'est 1 million ohms. Et finalement, 1 milliohm, je pose 1 sur milliohm et j'ajoute des zéros jusqu'à ohm. Et virgule, c'est 0,001 ohm. C'est bien. Maintenant, on va voir comment on peut le mesurer, la valeur d'une résistance ou bien la valeur de la résistance électrique d'un conducteur ohmique. Pour cela, on peut utiliser deux méthodes. La première méthode, c'est d'utiliser un ohmmètre. L'utilisation de l'ohmmètre. L'ohmmètre est un multimètre qu'on peut utiliser comme voltmètre, ou bien comme ampèremètre, ou bien comme ohmmètre, selon la déviation du curseur, du cadran qui existe ici, du calibre qui existe ici. Bon, pour mesurer la résistance d'un conducteur ohmique, on utilise un ohmmètre. Mais on utilise le seul multimètre dans cette position-là. Dans cette position-là. D'accord? Le symbole de l'ohmmètre est un cercle contient à l'intérieur le symbole oméga. Et là, ici, deux bornes. Comment mesure la résistance par l'ohmmètre? Quelles sont les étapes à suivre pour mesurer la résistance par l'ohmmètre? Tout d'abord, on choisit la zone du cadran qui contient les calibres de l'unité oméga. Ça veut dire le curseur, on va le tourner jusqu'à cette partie-là. D'accord? Puis, on branche l'ohmmètre directement aux bornes du dipôle, ça veut dire du résistance entre ohm et com. Entre ohm et com. En dehors d'un circuit, à l'extérieur du circuit. On prendra le conducteur ohmique et on va faire la mesure à l'extérieur du circuit. يعني غنقيسو قيمة مقاومة الموصل الأمي خارج الدارة. نأخذ الموصل الأمي لوحده خارج الدارة ونعمل على قياس قيمة مقاومته باستعمال جهاز الأوميتر. C'est bien. La troisième des choses, on ajuste le calibre, puis on note la valeur de la résistance mesurée. C'est bien. Comme dans ce cas-là, on a 39 ohms. 39 ohms. L'ahdou à l'enna, le calibre utilisé est supérieur à la valeur mesurée. Toujours doit être le calibre le grand le plus proche. L'intensité du courant et la tension électrique. Le choix du calibre doit être le grand le plus proche du valeur mesurée. C'est bien. Maintenant, on va utiliser une autre méthode pour déterminer la valeur d'une résistance. On va utiliser le code des couleurs. On peut connaître la valeur de la résistance en déchiffrant le code des couleurs des anneaux du conducteur ohmique. Ce conducteur ohmique, il contient plusieurs anneaux. Il contient quatre anneaux. Trois anneaux sont rapprochés. Et un anneau isolé, éloigné. C'est bien. Le conducteur ohmique porte des anneaux colorés. Chaque couleur correspond à un chiffre. Qu'on l'appelle le code des couleurs, comme l'indique le tableau suivant. Par exemple, on a le noir. Il correspond à le chiffre 0. Le brun correspond à 1, le rouge, le 2, orange, etc., etc. Bon, on peut donc déterminer la valeur d'une résistance grâce au code des couleurs. Donc, ممكن أن نحصل على قيمة المقاومة الكهربائية باستخدام قن الألوان أو الترميز العالمي لقيمة المقاومة باستعمال الألوان. Pour lire la valeur de la résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivre la méthode suivante. C'est bien. On commence
Comment ça? Donc, il faut d'abord placer la résistance de façon que, bien de telle manière, que l'anneau isolé doit être à droite, doit être à droite. Puis, on détermine les chiffres qui correspondent aux couleurs des anneaux. Par exemple, dans ce cas-là, par exemple, on a quatre anneaux, le jaune, le violet, le rouge et l'anneau isolé correspond à la couleur, par exemple, gris ou bien d'or, la couleur d'or. Oui, le premier anneau désigne le chiffre 1, le premier chiffre. Deuxième anneau, le deuxième chiffre. Le troisième anneau correspond au nombre des zéros. Faire attention à à la troisième anneau. Faire attention à la troisième anneau. C'est correspond au nombre des zéros. Le quatrième, c'est la précision, ou bien la tolérance. En l'arabia, nisbatul khata. هذا الجهاز اللي هو الموصل الأمي الموصل الأمي طبعا مصنوع من طرف الإنسان وأي حاجة كيقوم بها الإنسان فهي كتكون تحتوي على نسبة خطأ هذه نسبة خطأ يشير إليها الصانع بهذه الحلقة donc c'est la précision de mesure c'est la précision de mesure ou bien la tolérance peut être en or bien peut être en argent d'accord Pour se souvenir de l'ordre des couleurs dans le code couleur des résistances, apprenez la phrase suivante. باش نتذكروا بشكل جيد الألوان مرتبة وكل لون يوافق رقم يجب أن نتذكر هذه الجملة. Ne mangez rien au jeûner. Voilà bien votre grande bêtise. Ne mangez rien au jeûner. Voilà bien votre grande bêtise. Ne La lettre N, noir. Manger, marron. Rien, rouge. E, eau, orange. Jeûner, jaune. Voilà, verte. Bien, bleu. Votre, violet. Grande, gris. Bêtise, B, blanc. C'est comme ça, on va comprendre, ou bien, on n'oubliez pas. Ne mangez rien ou jeûnez, voilà bien votre grande bêtise. Ne mangez rien ou jeûnez. Voilà bien votre grande bêtise. C'est bien. On va faire maintenant une application. Trouvez la valeur de chaque résistance. Par exemple, la première résistance, il a quatre anneaux. Trois anneaux sont rapprochés et un anneau est isolé et éloigné. Bon, le code des couleurs est là. Chaque couleur correspond à un chiffre. Ne mangez rien au jeûner. Voilà bien votre grande bêtise. Par exemple, dans ce cas-là, de ce conducteur-là, le premier chiffre correspond au numéro 4, parce que le jaune désigne le numéro 4. La deuxième anneau correspond à la couleur violette, c'est numéro 7. La troisième, j'ai déjà dit que la troisième, c'est le nombre des zéros. Le nombre des zéros. On a combien de zéros ici? Le noir. Zéro des zéros. Zéro des zéros, ça veut dire quoi? Ça veut dire rien. Ça veut dire rien. On n'écrit rien. C'est bien? C'est bien. La quatrième, ce qui est isolé, de couleur dorée. Lounoun dehabi. Ça veut dire la tolérance est plus ou moins 5%. C'est ça, la précision de mesure, ou bien le pourcentage d'erreur. C'est plus 5% ou bien moins 5%. Donc, on écrit que R, la résistance est égale 47 ohms, sans virgule, sans multiplication, sans rien. C'est 47 ohms, plus ou moins 5% de la tolérance. C'est clair? Bien. On va passer maintenant à un deuxième exemple. On a trois couleurs rapprochées à gauche et la quatrième isolée à droite. Le jaune
violet, orange et doré. La valeur de la résistance, c'est jaune, c'est 4, 4, violet, c'est 7, orange, c'est 3. C'est 3, on va mettre ici 3 0, c'est faux. 3 0 ici, 3 0, 3 0, d'accord? 3 0, je m'excuse, 3 0, 3 0 ici, c'est bien. La deuxième, on a trois couleurs sont rapprochées et la quatrième isolée, c'est argenté. La valeur de la résistance, c'est l'orange. L'orange, c'est combien? C'est 3. Oui, c'est le blanc. C'est 9. Et la troisième, c'est quoi la troisième? La troisième, c'est le rouge. Le rouge correspond à un numéro 2. Elle correspond à quoi? Un nombre des zéros. C'est 2 zéros. On va mettre ici 2 zéros. 2 zéros ici. Ça veut dire la valeur de la résistance, c'est ici 39. Et on met 2 zéros, ça veut dire 3900. 3900. 3900. 3, c'est orange. 9, c'est le blanc. Et le rouge correspond au numéro 2. C'est le nombre des zéros. On met ici 2 zéros. 2 zéros. Plus ou moins, puisque la couleur de la quatrième anneau est argentée, c'est 10%. C'est plus ou moins 10%. C'est ça la tolérance. C'est bien. Pour un troisième exemple, on a trois anneaux rapprochés et la quatrième isolée ici à droite. Donc, premier anneau, premier chiffre, c'est 5. Deuxième anneau, c'est le deuxième chiffre, c'est 6. La troisième correspond au quoi? Correspond au quoi? Correspond au nombre des zéros. C'est 2 zéros. 2 zéros. La valeur de la résistance dans ce cas-là, c'est 5060 ohms. Plus ou moins 5% parce que le couleur de la quatrième anneau est doré. Dernier exemple. Voilà, le premier anneau, c'est le vert. Deuxième, c'est le bleu. Et la troisième, c'est le noir. Et faire attention. Bon, la valeur de la résistance dans ce cas-là, c'est 56 ohms. Parce que le vert est 5, le bleu est 6, le troisième, c'est le noir. C'est 0 des 0. On va faire rien. On ne met pas des 0. C'est 0 des 0. Ça veut dire juste, on va faire les deux chiffres du premier anneau et du deuxième anneau. D'accord? Et implicitement, la troisième, c'est des zéros. C'est 0 des 0. Yani, ma ganamlo, tahaja. Ma ganamlo, l'asfarna. Plus ou moins 5% de la tolérance parce que la couleur de la quatrième anneau est dorée. C'est clair? C'est bien. Maintenant, on va passer à la dernière paragraphe de cette leçon. C'est quelle est l'influence d'une résistance dans un circuit? Bon, on va voir quelle est l'utilité de la résistance ou bien quelle est l'influence de cette résistance dans un circuit électrique. C'est bien. On va commencer par une expérience. On réalise la série d'expériences suivantes. Le premier montage contient un générateur, une lampe et un ampèremètre. L'ampèremètre indique la valeur C'est I est égal à 0,25 ampères. 0,25 ampères. Lorsqu'on ajoute une résistance, un conducteur ohmique de valeur R est égal à 100 ohms, la valeur de l'intensité I diminue, devient 0,1 ohms. 0,1 ampères. Ça veut dire la valeur de l'intensité de courant diminue lorsqu'on intègre dans le circuit un conducteur ohmique. Ça veut dire que le conducteur ohmique empêche le courant électrique. Dans le troisième montage, on varie l'emplacement du conducteur ohmique avec l'ampèremètre. On varie l'emplacement du conducteur ohmique avec l'ampèremètre. La valeur de la résistance reste la même.
Ça veut dire l'emplacement du conducteur ohmique dans le circuit n'a pas d'influence. C'est bien. Donc c'est ce que je retiens de cette expérience, que le conducteur ohmique diminue l'intensité de courant électrique. Quoi encore? Que la place du conducteur ohmique dans un circuit en série n'a pas d'influence sur l'intensité de courant. Ça veut dire lorsqu'on change la place du conducteur ohmique, la valeur de l'intensité de courant reste la même, ne change pas, reste constante. Une autre expérience. Maintenant, on va augmenter la valeur de la résistance dans le circuit précédent. Ça veut dire la circuit précédente en AR est égal à 100 ohms, l'intensité de courant c'est 0,1 ampère. Maintenant, la résistance devient 200 ohms. Voyez que la valeur de l'intensité de courant diminue encore et devient 0,06 ampères. Alors, ce que je retiens, c'est plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité de courant électrique dans ce circuit soit faible. Plus la valeur de la résistance est grande, plus l'intensité de courant est faible et petit. Lorsque la résistance augmente sa valeur, l'intensité de courant diminue sa valeur. C'est ça ce que je retiens. Merci de votre attention, cher élève. Soyez bien et prenez soin de vous. Merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.